Mademoiselles et messieurs, me récit croisé ensemble avec définition expression ça. Justice bon Dieu, c'est cabouet bœuf. Définition expression ça pas l'autre que premier ministre Ariel Henry. Ou content de gen des moun ki kon ap di ou depièm non sel grain soulier. Sou pa vle di expression ça ou capable di depyo Ariel Henry. Ou kon sa terrible nan dossier assassinat Jovenel Moïse. Blanchi criminel à gauche. Virer système justice tête en bas, mettez juge pau tellement dossier, son dossier qui compliqué et tant nèg a cherché ka se faire couvrir ça pour protéger ou c'est tant que mango a yoté ke ya a senti en bas yo. Ka se faire couvrir ça sent la frappe. Pas ka se faire couvrir sent la frappe au pire aide. Bagay la compliqué. Dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, actuel commissaire Port-au-Prince, M. Edler Guillaume, dans un correspondant li adressé ensemble avec ministre justice qui c'est Emily Prophète, li informé ministre que juge Walter voulait tendre premier ministre Ariel Henry à titre témoin dans le dossier assassinat et non seulement ça tout li voulait tendre Rika Pierre Michel Patrick Boisvert. Donc, et une décision qui supposé prendre rapide dans le conseil ministre. Comment Ariel Henry pral sorti propre dans le dossier assassinat Jovenel Moïse? Les que on t'a parlé ensemble avec Joseph Félix Badio dans matin 7 ou plaider dit celle dit oui mais ni oui il t'a parlé 7 minutes. Les PM nan wè bagay la compliqué nan mel. Li faut comprendre que li pa reconnaître moun kon sa. Te gen pile moun ki t'ap rele. Li gon sel numéro téléphone. Li ti pip yo prouvé PM ou gen de numéro, mais sou ki numéro, eh bien Joseph Félix Badio te relo. Sa poko chamay. Et nan moment que premier ministre t'a parlé ensemble avec Badio. Badio te nan zone pèlerin sec. Toujours selon rapport de CPJ FBI. Et qui est Rodolphe Jean qui condamné dans le pays les États-Unis d'Amérique? Rodolphe Jean te déclaré, frères et sœurs bien-aimés, dans une interview, il était caché même côté ensemble avec Joseph Félix Badio. Et pendant tant ça, il était caché ensemble, Badio était toujours en communication ensemble avec Premier ministre Ariel Henry. Nan matin 7 les bagay la compliqué nan men yo. Badio rele PM, il dit PM qui ça n'a fait parce que faut fon jan pour moi pour me lager pied. PM dit font titan m'a prere l'homme pral passer quelques coups de fil. Selon déclaration Rodolphe Jar. Voler pomper frères et sœurs bien-aimés, hein, virer la justice tête en bas, c'est sacré les zoa coquer nan gorge yo. Hey! Gardons zo a collé dans gorge yo peuple haïtien. Fonko quoi? Les que rapport enquête de CPJ a sorti,
Et puis, commissaire gouvernement, Matt Bedford à l'époque, ouais, Ariel t'a parlé ensemble avec Badjo, mais dit, qu'est-ce qui se passe pour Ariel vin bon explication qui s'al tape d'Abadjo? Même moment, il mandé ensemble avec mini justice là, Rockefeller, pour le révoquer commissaire. Oh oh, ministre Timoré, même nèg. Et pas oublier, frères et sœurs bien-aimés, même avant ça, Ariel te relé, mini justice là, ensemble avec commissaire, pour parler ensemble avec yo. Et Bedford de campé dans figure Ariel Lidil. Mon cher m'a marré depuis ces nèg qui impliqué dans tout le président. Même ou si vous impliqué, m'a marré ou. Dans le moment, frères et sœurs bien-aimés, Ariel pas t'attend ensemble avec une déclaration comme ça. Te manque 3 secondes pour le pou souli. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, quelques temps après, rapport sorti, relé PM pour venir ba explication. Au lieu de venir ba explication, mais ça qui passé, li révoqué commissaire. Elle pral déclaré dans CNN que mercenaire yo innocent. Si mercenaire yo innocent, journée jodia, faut le ka di nou qui est ce qui coupable. Et songez, frères et sœurs bien-aimés, déclaration juge Gary Aurélien. T'es fait sous premier ministre. Et après assassinat président, plusieurs fois Ariel rencontré ensemble avec Joseph Félix Badio, divers médias internationaux, CNN et New York Times sorti des articles pour dire mais qui l'aime et qui ça cap passer dans Port-au-Prince qu'en bas. Est-ce qu'on comprend bagaille? Nèg ap kase fè y couvrir ça. Plis passé dès l'année. Mais président pral gen dès l'année yon mois depuis li fin assassiné. Mais ce n'est jusqu'à présent poko ka paraître devant juge. Eh bien, juge Walter souhaitait tendre Ariel Henry. Juge la trop petit pour dossier ça parce que là, tellement de causes qui sont parlé dans la République. Non, je connais la justice dans le pays d'Haïti, qu'on blanchit. Mais, rallons nom ta kou Ariel Henry. Présentel devant dossier assassinat Jovenel Moïse. Dit qu'on pral blanchi. Même sous te gen la chaud. Ou gen sora ici. Hein? Ou gen tout isin Clorox qui te capable d'exister dans le monde. Blanchi citoyen ça, ou ap fè kovi. En tout cas, mesdames, mademoiselles et messieurs, yon dossier n'ap suiv de près. Chay saute sous tête, li tombe sous épaule. Ancien président Boniface Alexandre mourit vendredi 4 d'août 2023, la Kaili. Delma 75 à 87 l'année. Boniface Alexandre te dirigé transition sorti dans l'année 2004 pour arriver l'année 2006. Après ancien président Jean-Bertrand Aristide te allé en exil en Afrique du Sud. Donc, d'après information yo, ancien président te malade depuis plusieurs mois. M'a rappelé, il te fait partie comité pilotage qui t'a dû organiser référendum ak amendement constitution. Malheureusement, frères et sœurs bien-aimés, il a gepiel, paix à son âme qui était allégé sous l'estomac li. Autorité yo nan ville au Cap mobilisé pour commémorer 353e l'année fondation ville au Cap. Eh bien, commissaire gouvernement au Cap là nan tête collée avec la police et puis la mairie prend décision pour lever ti machin kap vann sou trottoir yo, détente vite machine a couper cheve djed ki pa ka identifié yo nan l'idée pour fête la capable dérouler nan sécurité ak la paix. Guino Duvernay depuis Cap haïtien Abdino Place sous dossier si là. Dans occasion 350 l'année fondation ville Cap haïtien, autorité locale yo déclenché yon opération nettoyage dans ville au Cap haïtien. Tout d'abord, commissaire gouvernement au Cap là, Charles-Édouard Durand, accompagné mairie Cap haïtien, Patrick Almonor, magistrat Yves Rose-Pierre, accompagné la police, commissaire police au Cap là, passé dans diverses rues pour déloger diverses marchandes qui vendent sous trou 3 depuis rue 0 jusqu'à arriver rue 12L. Commissaire gouvernement t'a profité, t'a échevé diverses joueurs qui t'a paraît suspect, mais qui pas de cas identifié yo normalement dans la rue Cap haïtien. Commissaire police au Cap là, déclenché yon mouvement débourré diverses zones qui t'a semblé suspect côté individu mal intentionné t'a va al tabli koyo. Commissaire
gouvernement au Cap-là, M. Charles Edouard Durand, mandé tout individu qui a gagné un zam illégal la caillou, courir porter vite dans paquet au Cap-là. Selon lui, Pita Capitris, si c'est lui-même qui a cherché zam si la yo. Opération ça a mené, c'est pour capable d'établir la paix, sécurité dans la ville avant, pendant et après fête au Cap-là. Depuis, cité Christophienne, Cap-Haïtien, Guino Duvernay, pour Tax 509. Merci, Guino. Les petits marchands sous ton toit, c'est bien. Par rapport ensemble avec phénomène insécurité, détente vite machine, pas de problème. Mais l'on commissaire campera les ciseaux là pour dans la tête l'autre, ça n'a pas fait sens. Démocratie n'a pas arrivé jusque là. L'étape important c'est si que nous chita nous parlons ensemble avec jeune garçon yo di yo voilà par rapport ensemble avec phénomène insécurité mais ça mais qui mesine après mais juste ma chassis au bois clou ça là va arriver là non démocratie a pas arrivé jusque là mon nan doit faire salve dans tête ou pas gen doit fourer ciseaux dans tête mon nan doit faire quantité tatou vle sous ou pas gen doit dire là il se met colle. Donc c'est ou même qui autorité qui connaît comment pour aller gérer ville là. Gon série de délinquants qui gagne cheve ou arrêter, gon série de délinquants qui plaît partout. Ou arrêter yo gen moun ki gagne cheve, ça pa vle di yo c'est délinquant pour ça. Gen moun ki gagne tatou, ça pa vle di yo c'est délinquant pour ça. En tout cas, commissaire, gardez comment t'es capable plus structurer dossier. Secrétaire général Primatia, Jude Charles Faustin. Qui t'a réagi sous question insécurité a fait qu'on est violence gang yo dans zone métropolitaine ak certain l'autre commune dans pays a limité accès pour rejoindre manger de l'eau à gaz ça qui compliquait la vie population communauté internationale la doit améliorer aide yo pour aider au faire face à problème ça Seigneur aie pitié de nous dans ta bonté. Pas que ben la malou sel zok lo nan mi tan pou tèt. Et mais international la kap dirije pays. Mais pour qui sont ap touché? Mwen gen des déclarations mes amis frères et sœurs bien-aimés. M ta pou honte fè yo oui, si mi chef. Chris Boulit mwen ta pou honte fè yo. Parce que m pa wè sou ki base yon secrétaire général primati ap di oui, question insécurité. Bon mais moun ou gen sécurité, ça fait tout moun baga gen sécurité. Ou plein police ensemble avou. Ou ta supposé ou on pour marcher tout chef sa yo et puis gon population k'ap souffri. Ça c'est youn kounya la ou ap di communauté internationale doit améliorer. Améliorer ki sa yo doit ki sa. Kèt monsieur, ba kala tri souffre ses sœurs bien-aimés parce que m vin comprendre gon série de moun ki nan tête pays c'est comme si yo rete kwè gon l'autre pays ki doit yo. Et tandis que yo c'est autorité. Bon, si on parle comme ça et nous le peuple. Cependant, Jude Charles Fosté, qui croit pays a, pas qu'à compter seulement sous agence humanitaire, yo plaide en faveur bon gens accompagnement pour agriculteur, Jude Charles, dans micro, Tax 509. La violence des gangs a atteint des niveaux sans précédent dans la zone métropolitaine, limitant la circulation des marchandises et des personnes. Entre plusieurs grandes villes du pays, les déplacements sont difficiles, limitant l'accès aux denrées alimentaires et à l'eau, ainsi qu'au carburant. Cette situation a forcé l'arrêt de nombreuses activités humanitaires, tandis que les besoins de la population s'aggravent et les conditions de vie des plus vulnérables se détériorent. Face à cette problématique, qui est une préoccupation majeure pour le gouvernement, il est important que la communauté internationale réadapte ses stratégies et ses choix en fonction de la réalité et réoriente l'aide afin d'éviter les écueils et erreurs qui doivent servir de balise à toute démarche visant une nette amélioration de la situation qui engorge la population. Comme l'ont indiqué des membres du gouvernement qui ont pris la parole avant moi, il est de notre devoir de veiller à ce que nos compatriotes trouvent en qualité suffisante et à des prix abordables des denrées qui rentrent dans nos habitudes alimentaires. Cette responsabilité
il nous incombe de l'assurer pleinement, de l'assumer plutôt, pleinement, en faisant des plans et en nous donnant les moyens qu'il faut à cette fin. Nous ne pouvons pas compter uniquement sur le support des agences humanitaires pour venir en aide aux plus démunis. Nous en profitons pour les convier à soutenir davantage la production nationale en continuant à fournir l'accompagnement nécessaire aux agriculteurs. Donc, on veut parler des machines. On veut donc avoir plus de machines agricoles, semences, fertilisants, renforcement des coopératives agricoles, etc. La reconstruction des infrastructures agricoles, la réhabilitation des canaux d'irrigation. Nous saluons les efforts de l'Union européenne qui s'est engagée à lancer la deuxième phase du projet. Le gouvernement met tout en œuvre pour établir un environnement sécuritaire propice pour lancer l'activité économique et attirer l'investissement dans le secteur agricole et plus généralement pour créer des emplois dont nous avons besoin pour nous prendre en charge, pour nourrir les familles de façon à ce qu'elles retrouvent toute leur dignité. En tout cas, frère Pamé, on va bien passer dans le gouvernement, pas vrai? Songez que plusieurs canaux d'irrigation Jovenel Moïse t'a construit. Songez. Marion bloqué. Canal irrigation sous rivière Massacre, il va fini. Et nous pas voulez venir, gain l'argent dans le pays. N'a brassé, n'a bien viré. Mais nous tellement quoi dans ti aide nous et ti vicieux nous et ti parasite nous n'a attend l'international. Opinion divers avocats dans Port-au-Prince partagé sous dossier force militaire étranger qui t'a doué vine fou le sol Haïti. Si pour quelques avocats pays a besoin yon force militaire qui pou vine résoudre problème insécurité, alors que pour divers lot, yon débarquement force étranger en Haïti pas dans intérêt population. Yon reportage ensemble avec Kenan Danger. Après un pile monté descendre, finalement, c'est pays Kenya qui décide de prendre tête force militaire étranger qui doit venir aider police nationale là combattre insécurité a. Yon nouvelle qui soulève un pile débat dans société a. Quelques avocats qui t'a réagi sous dossier ça, mettez-vous d'accord pour militaire étranger pour les sols pays d'Haïti à cause absence ou incapacité l'état pour garantir sécurité nation. Haïtien refuse payer parce que yo pas senti yo bien l'état pas existé. Pour qui ça me pas contre parce que l'état désorganisé. Union force étrangère pas dit ces solutions mais au moins ça capable porter une amélioration. Mais pendant blanc vini mais faut que nous changer nouvelle gouvernance. Ça veut dire faut que nous mettez moun qui ta supposé dans vraie place. Yo pas ta mettre des médiocres dans tête parlement, nous pas mettre des médiocres en dedans palais, nous pas mettre des médiocres en dedans système justice. Faut que nous mettez des hommes qui à la hauteur de monde qui formé, qui qualifié. Alors que divers avocats ont toute l'idée pour force militaire étranger foule sol papa de Saline. Présence sur force étranger dans pays d'Haïti, pas dans intérêt nation. C'est un conscience collective qui doit dégager dans mitan tout petit pays pour résoudre différentes crises qui a saccagé pays. Yo te tout profité dénoncer responsable dans CSPM nan qui empêchait la police acclamer prend destin pays a en main. Il pas dans intérêt pays a pour ça parce que les sociétés c'est pas force étrangère là qui fait pays a font pas c'est conscience c'est pas la police seulement yon go force armée. On est dit nous capable son question de conscience, son question de chef yo, c'est pas pour responsabilité. L'armée ensemble avec la police, yo gen attribution pour rendre à ce que peuple vague dans activité. Il y a une volonté manifeste pour empêcher la police continuer à faire des interventions. Des fois, ouais, la police a progressé. Subitement, ouais, toute intervention reculée. N'a pas signalé plusieurs pays déjà mobilisés pour une quantité de soldats intégrés mission Sahara. Parmi eux, pays Bahamas qui dit la baille 150. Depuis Port-au-Prince, Haïti, Kenan Danger, TAC 509. Ancien Premier ministre Evans Paul estime c'est une honte pour ces l'autre pays qui a vinn aider mettre l'ordre dans pays nous tandis que pays a pas dans la guerre ensemble avec pièces l'autre pays. Evans Paul qui fait appel à conscience acteur yo pour yo mettre fin dans bataille politique là exprimer quelque assez li gagné pour Haïti pas tomber dans phase Somalie cependant
eh bien, capé reconnaître capable gè débarquement force étranger dans pays ya, capé reconnaître capable gè force débarquement dans pays ya, mais problème pays ya, c'est haïtien qui doit résoudre li. Evans Paul t'es parlé dans micro tak 509. Nous connaît l'on parle de Kenya, on parle de l'Afrique. L'on parle de l'Afrique, on parle de racines nous-mêmes, peuple haïtien. Mais en même temps, son honte pour nous mettre tête nous dans la situation, pour c'est l'autre pays qui a venu de nous mettre l'autre la caille. Parce que la crise haïtienne, c'est pour nous gagner entre Haïti et un autre pays. C'est haïtien qui a maltraité haïtien. C'est haïtien qui a déstabilisé Haïti. Et c'est là où on te la chita. Gon prise de conscience pour nous faire. Pour nous poser tête nos questions, quelle que soit position, quelle que soit côté de campé. Pour nous demander pour qui ça nous oblige à comporter nos façons. Pour nous obliger que les troupes Nations Unies entrent dans le pays. Pour nous obliger que les troupes américaines qui entrent en trois fois en un siècle. Pour qu'on ait un obligé à demander pour l'autre pays, tant que Kenya et la trier, vienne aider nous mettre l'ordre de la caille. Moi-même, je comprends et me dis merci pour volonté de solidarité, ça, mais en même temps, je suis très honte, très gêné et je place un appel patriotique à la jeunesse en particulier pour nous reprendre dignité pays en main, pour nous suspendre, comporter nous en manière qui mettait dans la situation. Ça, c'est ça que je suis capable de dire. Nous comporter peut-être nos façons côté Haïti, vine, presque un pays infréquentable. Il faut faire très attention pour ne pas arriver dans la situation Somalie. Il y a tellement bouqué avec Somalie, il n'y a pas parlé de Somalie encore. Mais ça ne veut pas dire problème Somalie à résoudre. En Haïti, les États-Unis ne veulent pas prendre tête aucune force dans le pays d'Haïti. Parce qu'en trois siècles, ils débarquent trois fois, ça n'a pas marché. Le Canada fait folle par l'empile, il prend sanction, mais il ne veut pas prendre tête là tout. C'est dans le marché, chercher, il finalement joint le Kenya. C'est pour nous comprendre dans quelle situation Haïti est aujourd'hui. C'est presque l'image d'un pays infréquentable. C'est dans ça nous y est. Et moi, je dis ça avec un pile souffrance. Moi, je dis ça pour motiver l'autre monde. Pour nous connaître la situation du pays d'Haïti, pas qu'aucune troupe étrangère qui a résolu. Pas dit tout, pas venu. Parce que c'est une situation de désespoir, d'insécurité qui a besoin de concours pour mettre l'autre dans des autres. Pour neutraliser les gens qui ont fait des autres, qui ont fait kidnapping, qui ont tué les gens. Mais en même temps, le problème, non, c'est Haïtien qui résout. Fondamentalement, durablement, c'est Haïtien qui résout. Même si temporairement, nous avons une aide, des amis, quel que soit côté de sorti. Haïtien presque, Haïti presque perdu, ça a été comme notoriété, comme fierté nationale. Moi, lancer ça, c'est pour dignité, nous, sentir blessé. Et pour une fort effort pour nous connaître, ce n'est pas un problème en groupe, c'est un problème nous tous qui avons conscience, il faut rétablir l'ordre dans le pays pour nous suspendre les étrangers venir aider. En tout cas, c'est nous qui sommes chefs et nous mettons le pays dans l'Italie. Ancien Premier ministre Jude Joseph, traite à la patrie. Quoi dossier Kenya, ses affaires famille? Exactly. You understand? Yes, Joujoute. Eh bien, frère Kapvin et des frères Haïti qui n'ont problème. La police est volontaire, mais elle est fatiguée. Non, faut la police ta fatiguée. Ou faut la police ta fatiguée, Jout. Et pas où tu dis qu'on ne soit pas reconnaître que la police ta pral faire opération dans le village. Non, faut la fatiguée. Ou même, ah. Li besoin si pas d'après Joseph Jout. Qui te tout profité de l'État pour porter assistance sociale dans le quartier difficile. Yo. Joseph Jout. T'es dans le micro, tac 509. Ben écoutez, moi nous connais déjà que moi c'est un ancien fonctionnaire des Nations Unies. Moi qu'on a le travail tout dans l'autre pays, je travaille Kenya. Et déjà, moi prends le temps pour ces frères qui viennent des frères qui sont en situation difficile. Parce que faut que nous parlions le temps pour son occupation. Parce que Haïti c'est membre des Nations Unies. Et l'homme des Nations Unies gagne une série de privilèges que ça a. Il y a un pays qui n'est pas des Nations Unies. Bon, c'est 196 jours et même quoi, il y a l'autre qui n'est pas membre, mais qui n'a pas bénéficié de privilèges. Pourquoi c'est pas ça qui a
rapport avec le niveau d'insécurité que le pays a posé, surtout avec gangsterisation, risque de terrorisme, etc. Dans le pays. Police nationale, là, elle est assez solide pour le faire travailler ça. Mais tout, il faut nous connaître que la police nationale, là, c'est un dans population en sortie. Et la population, on a regardé son population qui. Et, comment je t'ai dit ça? Et PM Evans Paul a utilisé le mot en dégâts. Ok, population en dégâts, police là, elle a l'image du pays. Elle dit, police là, elle a besoin de support, police là, elle est fatiguée tout. Ok, même pour football, parce que moi j'aime le football. Football après 90 minutes, là, il y a une prolongation. Les joueurs sont extrêmement fatigués, il faut nous comprendre ça. Et la police nationale là, non seulement elle est compétente, mais elle a une volonté pour travailler. Mais tout, elle est fatiguée et elle a un peu de matériel, tout qu'elle a besoin. Je pense que ça, c'est après un souffle nouveau, c'est après un sang nouveau. Que une force multinationale capotée pour le pays. Premier bagage là, c'est entrer dans le quartier que nous relions le quartier de Nondouayo. L'État absent. Ok? Moi-même, je travaille sur un document avec CNDDR pour l'État présent dans le quartier ça, pour tes services à la population. Et puis là, ça a bandi pour compte, il y a tombé. Société a li malade. Si on est intervenu, ils viennent de nous. Année ça, parce qu'ils sont fatigués avec nous. Nous avons longtemps demandé ça, mais nous sommes fatigués avec nous. Il faut que nous travaillions pour réhabiliter chaque monde dans la place pour tout le pays à sous rail démocratique, Jean-Louis Douéye. Kenya a plein de problèmes. Il faut nous comprendre. Moi-même, je dis nous ça, nous connaissons la vérité. Kenya a plein de problèmes. Mais il y a des institutions qui ont fonctionné. Nous-mêmes, non seulement nous avons des problèmes, mais les institutions nous sont à genoux. Bon. Nan jou k ap vini yo la bon frère c'est ça bien aimé nan jou k ap vini yo la jout andaï oui jout pral andaï sérieux force travail li yo pral tomber adje allons Haïti sa papa ancien magistrat à Kayer Pierre Gary tout puissant fait konnen se conscience ak l'amour ki ka sauver pays ya même gens ensemble avec quelques pays dans continent Afrique là ap fè. Ancien autorité locale là qui compte débarquement force militaire dans pays là quoi la police capable résoudre problème gang armé cap terroriser population depuis des changements dans niveau recommandement la police là en écouté déclaration Pierre Gary tout puissant dans micro Pascal Fleuristil depuis Akaye. Pas pour la communauté internationale là. Vous comprenez? Pays à l'époque pour escampiquer, même gens, et l'Afrique, et comme si ils ont dit halte là. L'air, depuis qu'on prise de conscience, depuis qu'il y a l'amour, pour dire, et le gouvernement qui l'a halte là, l'air pour dire, communauté internationale là, halte là, campé là. C'est ça lié, oui. Depuis qu'on prise de conscience, depuis qu'il y a l'amour, eh bien, tout est possible. Mais... Et... On a parlé d'élection. On va connaître, non, mais... Docteur Ariel connaît pertinemment que nous ne connaissons pas qu'à faire l'élection. Qui va faire l'élection dans le pays? Bon, tout pays, on sait de zones de zone non de nos droits. Gang pile les gens à travers tout le pays, les âmes de gang, les âmes dans le pays, et puis on va parler d'élection. Qui va parler d'élection là? On va parler d'élection, mon cher. Non. Va parler avec ça. Ouais. Peut-être l'autre monde qui doit avoir l'élection, mais qui connaît l'élection. L'élection, c'est pour nous gagner liberté, les gagner capacité, les gagner sans foi aller, disposé, choisir un candidat qui fait le plaisir de vouloir voter. Mais qui ne peut pas passer pour le voter. Eh bien... Non, je suis un nationaliste, non, pas parler de bagaille après le débat qui est dans le pays, pas non. Et tu vas dans l'Ouen, Barbon, Maladon, police nationale, moi, car, à travers les unités spéciales, il y a eu carrément du problème, non. Puis l'armée, qui est en bouillon, l'armée, il y a eu carrément du problème, non. Parce que l'État, ici, le gouvernement qui est là, comprend, il n'y a pas de volonté pour le problème, non. Mais... Intervention militaire dans le pays, non.
99% de monde avec moi-même l'unique. Moi-même Pierre Garry Tovisan qui c'est ancien magistrat et là caen. Non. Pas parler de faire des débarquements blancs dans le pays pas moi-même. Non. Bah ça va mettre même monsieur Tristel. Affaire ben non. Tu comprends? Donc comment ça passé? Mhm. On m'a toujours dit changer au état-major la police là. Changer au état-major la police là. Bah Jacques Adair qui était commissaire à la Caen, qui est venu dans la direction départementale Port-au-Prince. Merci Pascal. Gagné Peggy Noël, yon nan dirigeant Union Nationale normalien haïtien exprimé quelque sel gagné par rapport à situation insécurité à kidnapping qui pas suspend augmenter dans pays a vinn joine yon population qui depuis un bon bout de temps la gade bras balancé sans ses coups personne. Peggy Noël estimé dans situation catastrophique pays a trouvé là, population a doit renforcer stratégie bataille pour capable capoter régime en place là qui faillit ensemble avec mission. Peggy Noël, te parle dans micro. Depuis un bon bout de temps dans pays a, nous connaît et condition la vie population hein, l'a dégringoler chaque jour qui joue. Côté question la manger dans pays a son à qui l'aura, côté que et capable dit tambour à bas dans vent malheureux. Question chaque et retenant le choix, son bagage jeune chaque jour dans pile quartier populaire et ou une jeune tout dans pile milieu et paysan. L'aime connaît paysan dans pile zone dans pays, y'a pas capable vacuer activité autant pour dans la Tibonite. Côté question du y'a pas capable faire la cause gang qui captaille banda dans zone ça yo. Côté dans lien cou dans verret dans zone et l'estel à Papéris. Gang yo, c'est eux qui fait la loi, c'est eux qui mène et bonne. Et nous capable dire et ça la cause question gang nan li la cause question production nationale la baisser complètement et en plus tout produit yo vin rare sous marché a qui permet gen une hausse et produit qui et produit qui sorti en province. Donc nous capable dire tout et produit qui sorti en province dans le grand sud, dans le grand nord. La cause question gang yo, produit sa yo obligé, prix obligé monter et en plus tout madame sa yo, yo nan situation difficile parce que en pouvoir, aussi en pile violence et nan men gang yo. Et nous capable di, augmentation prix gaz la, li c'est un élément qui contribue nan et augmenter la vie chère. Les nous connaît et galon ki ozen nan, et gens yo monté prix et situation ça li paniqué et moun nan milieu paysan yo surtout dans quartier populaire nous connaissons ces gaz ça yo yo utilisé et question plus pour machine pour monter et sans pas oublier en pile l'autre élément encore nous capable dire situation et malouk ça la population hein non on sans bâton et nous capable dire rit dans standard de changer dans pays là. Parce que la situation est compliquée. Les gens ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas vivre, les petits ne peuvent pas aller à l'école, ils ne peuvent pas circuler. Les gens connaissent les vagues de sécurité, ils continuent à valer le terrain, massacre, continuent à valer le terrain, car déjà, déplacement forcé sur la population en pile et zone dans le pays. Et nous capables de dire que les zones ne sont pas suspendues et il y a un gros. Les gens connaissent dans pile qui kidnappent. Que ça va faire bien dans la radio, mais nous avons plein en bas, il y a beaucoup de donc, il y a un pile cas et de ces deux proches qui ont kidnappé, surtout dans la zone et la Tibonite, dans la zone Gomorne. Et nous n'avons pas suspendu les victimes, Zach et kidnapping, et dans Rodelma, zone Delma 75, dans Taba, nous n'avons pas suspendu les victimes de Zach criminel que Gagnon peut continuer à faire sur la population. Nous avons rappelé tout, et ONU DC, dans l'enquête qui a été faite, a fait connaître que Zamio et munitions en majeure partie. De sortir aux États-Unis. Les nous connaît États-Unis qui impliqués dans la question pour demander pour nous pays à occuper. Et nous, la question et velléité que l'ONU par rapport à Gutiérrez
décision toujours prend tête collée avec les États-Unis pour occuper PIA et comme quoi PIA c'est problème occupation. Or nous connaît fournisseur balle yo exam yo et c'est eux même qui vous ta baisser question exam qui rentre avec ministre qui rentre dans PIA de façon pour capable joindre un souffle parce que population pas compris ça pour faire et question insécurité a dit un gros rôle tout sur question de l'école sur question éducation grand pile petit monde qui pas capable aller l'école parce que grand pile quartier qui tombé en bas mais gang et petit monde ça c'est dans des de l'école qui pas vraiment et dire économiquement qui pas avancé donc automatiquement il y a question gang dans quartier l'école ça obligé fermer ça qui la cause petit monde ça tout pas à l'école et seul chemin yo gagner c'est entrer dans gang c'est entrer dans promiscuité dans sécurité organisée et mobiliser pour bay réponse à situation insécurité téléguider ça cap tailler mandat dans tout pays ya depuis quelque temps. N'a débarqué dans dossier la justice, avocat Caleb Jean-Baptiste dénonce l'entête qui gagne dans dossier Yael Johanna Clérier Zirek qui est en prison pour escroquerie. Li dénonce en même temps magistrat Berge au Supri qui poko chom tande mari Damna qui impliqué dans dossier ça. Homme de loi qui reconnaît Berge au Supri, c'est un magistrat compétent, mandel pour prendre responsabilité face à dossier si là. Avocat Caleb Jean-Baptiste dépose yon plainte dans paquet contre 19 sénateurs dans même journée ça avec ancien premier ministre Laurent Lamotte pour corruption, pour trafic influence, association malfaite. Plainte ça fait suite à déclaration ancien sénateur Jean-Hector Anacassis qui était dénoncé concerné yo qui était voté rend la mort pour 40 000 $ américains chaque. Parmi sénateurs sa yo, nous capables citer Jocelyn Brivert, Kelly Sébastien, Maxime Roumer, Joseph Lambert, Michel Clérier, Derek Pierre-Louis, Évalière Beauplan, Wenceslas Lambert, Fritz Carlo Lebon, Yvon Bisseret, et Malik te mouri dernièrement. Ou stupide. Jean-Rudolphe Joasil, Melius Hippolyte, Edwin Zeni, Yuri La Tortue, Edmond Suplice Bozil, Lucas Saint-Ville, ak Jean-Willy Jean-Baptiste, Nenel Kassi, Maître Caleb Jean-Baptiste, qui paraît pour faire face à tout sa captain li, fait connaître ces corruptions qui la cause population nan mise à jour en jodia. En nous tendil. Nous même comme journalistes, nous toujours dit pays a pas capable de faire pays à tout. C'est vrai. Et aujourd'hui, je vais vous dire, mais ça dit. Vous savez ça, c'est deux gros moments que je vais vous dire. Nous connaissons l'ancien sénateur Jean-Hector Anacassis. Jean-Hector Anacassis, qui était vraiment dans l'émission Grand Boulevard, Radio Télé Caraïbes, et encore Radio, avec deux grands journalistes expérimentés. Qui te dit clairement, dans la date 13 juin 2023, le pour te ratifier ancien sénateur Laurent Salvador Lamotte, ancien premier ministre, merci, ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte, tout le monde est bénéficié, c'est $40 000 américains. Je te vais sénateur pour vous. D'aller plus loin pour le dire. Moi-même, je ne suis pas préoccupé. C'est 6 postes que je prends. Parmi laquelle, tu es un petit moi qui est en Allemagne, qui est un ministre conseiller en Allemagne. Là, mais quel Jean-Baptiste qui est victime dans la société. Tout journaliste qui est victime, on paye qui est victime de corruption. Je te dis Kade sa sénateur te fait pays. Pour eso ça, nous gardons loi 12 mars 2013. Nous gardons article 224 code pénal là. Nous gardons également article 137 241 code pénal là. Nous dit gars, il y a ça corruption. Il y a trafic d'influence, il y a forfaiture, il y a concussion, il y a association de malfaiteurs. Qui sont des infractions criminelles. Eh bien, je dis à nous porter plainte contre les sénateurs qui ont voté. Mais non, la République, mais non, 19 sénateurs qui ont voté pour eux.
y a qui pour répondre. Et pas moi accusé, est-ce que c'est moi la République? Non. C'est Jean Étienne Cassis qui dit c'est l'argent qui te prend. Je me pose plein temps en fonction des déclarations de Étienne Cassis. Mais je me regrette, il y a un film là pour parler avec vous. Qui qu'on a demandé comment mieux les gens subi des attaques. Mais je ne suis pas capable. C'est pays qui a fait, même si c'est ma maman qui est là-dedans, je suis obligé. Je comprends ça, les anciens sénateurs qui connaissent les mieux. Je ne suis pas capable, mais c'est pays qui a fait. On a les mêmes. Je gagne Jocelyn Privé. Bravo. Jocelyn Privé. Je gagne Kelly Sébastien. Jean-Maxime Roumet. Michel Clérier. Derex Elpierre-Louis. Emmanuel Boblon. Jean-Joël Joseph. Jean-Eto Anacassis. Jean-Fritz Carlos Lebo, Yvon Brissiet, Joseph Lambert, Jessica Slambert, Yannay Kassi, Rodolphe Doisil, Edwin Zeni, Hippolyte Meneïs, Edmond Suplice Basil. La loi. Je Willy, je Baptiste. Eh bien, même si le je Baptiste, nous vraiment, qui vraiment te vote pour. C'est Mounsayo qui te vote pour. C'est Mounsayo qui te vote pour. Nous sommes la première ministre. Et Jean-Hector Anacassi dit que c'est 40 000 euros là où tu prends. Eh bien, Maintenant là. Je ne sais pas si vous avez fini. On te vote la mode parce que la mode millionnaire. Ma petite madame vicieux comme ça. Elle a m'a comprendre je sais pas qu'on a écaita. Des pour dire je sais pas qu'on a écaita, ou mettre juste penser ensemble avec madame Bozil. Ma petite madame vicieux comme ça. Avocat Caleb Jean-Baptiste déposé tout yon plainte contre coordonnateur Commission nationale désarmement démantèlement a créé session Jean-Robel dans Sénat pour complicité trafic illicite zam ak munition association malfaiteur détention illégale zam ak munition plainte sa déposé sous base déclaration Jean-Robel dans Sénat qui te dit que 11 familles qui impliquées dans trafic illégal zam alors que jusqu'à journée jodia li pa jam cité non famille sa yo d'après maître Caleb Jean-Baptiste en koutel pour une troisième fois. Ok, yon deuxième plainte. Je rebelle dans Sénat. Je rebelle dans Sénat. M'pa ki problème personnel avant, mais ce pays n'a fait. Je rebelle dans Sénateur dit dans toute radio, scoop la radio, c'est 11 familles qui ont fait l'autre entité de l'État, 11 familles. Il n'y a pas de chômage après chômage. Moi, je viens de voir,
Jean-Rebel Dorsena mérite à 44 codes pénales là qui est complice de il s'est complice de infraction sur la là. Eh bien pour ça nous portons plainte contre Jean-Rebel Dorsena pour des infractions criminelles pour c'est cause grâce moi elle n'a décapitalisé net complicité de trafic illicite d'armes à feu et de munitions. Association de malfaiteurs, détention illégale d'armes à feu et de munitions, trafic illégal d'armes à feu et de munitions. Faut que Jean Rebel Dorsena, mettez votre dossier. Faut que Jean Rebel Dorsena. Question la justice. La presse, je dis à, je dis nous merci et je dis nous bon dossier. Tout à fait. Ne greffe pas qu'à votre prise. Bon, c'est nous, bon greffier. C'est quoi voler? Bon greffier, c'est quoi voler? Ne pas qu'à votre prise. La preuve pour des avocats. Nous allons enquêter sur le dossier pour nous connaître est-ce que le paquet a cassé, est-ce que c'est pas un dossier avocat ça, ça y est, greffier ça a été décassé par guerre. Et je te mets mon adam de DL, ma va nous plus. Non, n'a pas de coquin comme ça que Jean-Rebel Dorsena. Mes amis, les jovenels de la Jean-Rebel, marchez par les 11 familles, madame, quand 11 familles ça vous passe, m'a connaître. Là, c'est 11 familles, je ne sais pas. 11 familles, il pas fouti by 11 familles, non? Tant que yo fou là, et puis pep ap mouri 11 familles, ap distribuer zam, Jean-Rebel Dorsena ka di 11 familles. Situation te agité journée jeudi à nan bureau régional l'Ouest, ministère affaires sociales, à cause présence plusieurs centaines ouvriers factory te débarqué dans espace là pour venir demander l'État prend responsabilité face à comportement André Aped ensemble avec Charles Henri Becker qui refusait payer yo prestation légale yo après yo fin fermé usine dans mois janvier 2023. Porte-parole plateforme syndicat textile yo Télémac qui t'a réagi sous dossier ça critiquer comportement patron sa yo qui pas respecter l'état qui convoqué yo syndicaliste là rappeler c'est pas première fois à peine ensemble avec Becker afficher comportement ça envers ouvrier yo Télémac Pierre mande autorité yo utiliser stratégie pour forcer monsieur sa yo prend responsabilité yo entendez Télémac dans micro tac 509. En fait, nous avons accompagné ouvrier Sky Becker et avec Cleveland Manufacturing Sky APED et qui révoqué depuis pratiquement janvier et vive jodi a et yo pa jam paye yo ba yo rendez-vous sur rendez-vous et c'est ça que nous-mêmes nous avons accompagné dans le bureau régional l'Ouest mars yo voyé trois convocations et APED pas présenté dans le bureau régional là. Et problématique là, les gens n'ont pas de données pour qu'ils soient capables de faire calcul. Et malgré que l'affaire sociale vous ait une injonction et APED, n'est pas présenté aujourd'hui dans le bureau régional l'Ouest Mass là. Et ça fait nous-mêmes nous dénoncer le comportement et patron ça qui révoquer ouvriers et ils pas voulu payer les prestations légales comme ça doit. Et malgré le ministère affaires sociales et nous avons fait processus sur beaucoup de côtés et yo fait processus là yo arrivé d'un côté pour que yo capable et faire calcul pour nous mais malheureusement on usine en cours et Cleveland Manufacturing c'est sous ATM yo paye yo yo pas gagne donné c'est usine qui gagne donné et usine pas voulu présenter dans et bureau et régional là et comme nous connaissons APED, c'est un tout puissant, il n'a pas respecté ça, la loi dit, il n'a pas respecté l'État, et c'est lui que l'État a, c'est ça fait que lui-même ne va présenter, non, bureau régional là. Et nous, on a demandé l'État pour qu'il prenne toute disposition, pour qu'il soit capable de forcer et patron Cleveland, non, pour qu'il y voye ensemble donner pour qu'il soit capable de faire calcul et pour payer mon nom comme ça doit. Et ça, nous, qui pire là, il y a des gens qui gagnent, petit grand monde qui gagne 80, 70 ans, qui gagne 20, 25 ans de travail avec nous, ils ont évoqué eux et ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas payé. Et moi, je pense que ça, c'est un crime lié. Et je demande à M. APED
Paul dérange le comment Jean-Jacques et pour qu'il paye Mounio comme ça doit. Et Charles-Henri Becker, il y a un monde qui était aspiré vin président pays a pour depuis janvier, il révoqué plus passer 300 ouvriers yo dans la rue, il va bailler rendez-vous sur rendez-vous et il était rendez-vous avril, il va kembe, rendez-vous mois de mai, il va kembe, rendez-vous mois de juin, il va kembe, rendez-vous juillet, il va kembe. Je dis à nous en août, ça veut dire 8 mois après il fini fermer usine là et il n'y a pas qu'à payer Mounio et n'a pas demandé l'État à faire diligence nécessaire et la direction du travail et le ministère des Affaires sociales là pour qu'ils forcent pour capable payer Mounio et toutes prestations légales et nous-mêmes dans la bataille ouvrière n'a continué à accompagner pour nous forcer et l'État attendez vous et faire et patron attendez vous non et pour forcer l'État à faire payer et Mounio toutes prestations légales. Impossible. Becker oui et pas Charlito. Eh ben Charlito, bon biche Charlito qui place pour tout papa ici, et biche Charlito a fait mon habit. Beaucoup j'aime saisir comme ça. Combien a perdu? Eh ben nèg zone fraîche là. Quand il est causé dans le pays, monsieur. Bon Becker toujours posé candidat pour poste président. Et puis un gros bis, un place pour tout le monde. Vous dites, Charles-Henri Becker, oui, qu'on s'allerait. La traque dans le pays ça. Mesdames, mademoiselles et messieurs, gagné directeur départemental éducation NIPLA, Jean-Nelson Pierre, exprimé satisfaction sous déroulement examen baccalauréat année ça dans département. Directeur Pierre précisé c'est seulement 85 candidats sous 3848 qui pas participé dans épreuve ça yo. Jean-Nelson Pierre t'es parlé dans micro correspondant nous Henri Claude Clercin depuis Miragoane. Dit que ça va, c'est avec un sentiment de satisfaction que nous bouclé 4e jour comme nous t'a annoncé au départ. Examen ça yo t'a fait pour presque 4000 candidats, 3848 candidats. Pratiquement, il y a seulement 85 timons qui sont absents, candidats qui sont absents. Donc, ça a un taux de participation de plus de 98%. Et pas de cassure, pas de grands problèmes. Donc, c'est pour nous-mêmes un sentiment de satisfaction. Notable dit que dans un premier temps, Anessa me parlait de satisfaction, c'est parce que le ministère central a pris une décision pour que ce professeur seulement qui participait dans la surveillance examen. Et nous rendons compte que ce professeur qui était là, tu as des observateurs, un bagage qui est nouveau dans le processus là, Anessa, observateurs ont regardé des rapports chaque jour. Et ils ont dit que tout le bagage était allé bien. Sauf que dans un premier temps, tu as un petit problème dans le siège de l'asile, côté que le candidat est plein pour un examen spécial, parce qu'il dit qu'il n'y a pas de bien pour ça. Mais il y a eu plus de peur que de mal, puisque nous avons chita parlé avec eux, ils viennent comprendre que pas composé puis mal pour eux. Et puis ils ont composé, et puis ça passait. Examen identifié. Gary m'a dit ça déjà, de caravane qui a passé et change à paix, ce n'est pas vrai. Candidat, surveillant, connaît le pas qu'a fait ça, et ça pas qu'a fait. Nous, nous avons des observateurs. Vous connaissez ça, belle, c'est que l'observateur, ce n'est pas des gens que nous connaissons. Moi, je vois un message tout qui dit que ça n'a pas fait. Donc, si tout le monde dit le pas fait, je ne vais pas prendre le pouvoir. Allez ça, moi, d'ailleurs. Ça fait deux examens officiels, alors pas même deux, ça fait quatre, mais pendant deux ans. Année ça, je me satisfais beaucoup plus parce que l'examen, nous arrivons dans le siège, nous nous sentions également à l'heure. Taux de participation candidat est très élevé par rapport à l'année dernière et nous sommes capables de dire. En termes de personnel de l'examen, nous avons de meilleurs personnels, donc c'est déjà une plus grande satisfaction pour moi. C'était seulement l'asile, ça t'est arrivé et me dit, mais ça que t'es fait. Nous sommes dit là. Bon, ça n'a pas de temps. C'est que c'est nous, dans l'année qui t'es démarré
année scolaire là avant. C'est vrai, il y a un moment tumultueux, côté que le professeur a fait grève. Nous comprenons ça. Mais grève, étant donné que c'est bananip seulement, il était un peu partout. Donc nous-mêmes, nous attendons que nous ayons de meilleurs résultats. Qui te me dit, pendant qu'on a parlé là, examen a fini. Mais semaine prochaine, on a démarré avec correction. Et là encore, le ministère là tient à ce que ces professeurs même qui ont enseigné dans la classe ça. Je ne sais pas qu'on est. Je ne document ça, c'est effectivement liste correcteur. Correcteur ça, c'est des correcteurs qui étaient exactement inscrits en ligne. Là, nous avons nouveau, là, nous avons ancien. Mais il revient à nous-mêmes pour nous voir liste là en dans ministère là, pour le ministère là, dans un premier temps. Ça qui est ancien, yo, pour le un email de confirmation, pour le dire que vous retenez, puis que vous n'avez pas retenu tout le monde, puisque c'est un pile de monde qui gagne. Et puis pour nous voir, pour vous demander de passer dans la direction départementale là depuis demain, si Dieu veut, pour venir déposer les pièces, parce que si vous avez nouveau lieu aller dans la correction, pour garder le dossier, pour qu'on s'y bon. Donc autrement dit, pour moi, c'est une grande satisfaction, puisque dans l'année antérieure, je ne vais pas douter qu'à prendre votre correcteur. Mais pour ceci, ça n'est pas aussi rigide que lié à Nissa. Donc, nous pensons que Timounioka Chitatan, avec une grande satisfaction, que Ferio a bien corrigé le résultat, la positif pour tout ça que tu étudié. Merci Henri Claude. Merci ensemble avec chaque fanatique qui t'est connecté. Non pas monsieur Foucault, moi pour aller m'a quitter ou nan bras papa bon Dieu parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Nous casser rendez-vous talè pour yon l'autre vidéo. Restez connecté ensemble avec plateforme Paola parce que bagay yon ti jan dégénéré frères et sœurs bien-aimés entre la France et l'Afrique et ou konnen. Depuis on bagay a passé en Afrique, nous-mêmes nous concerné par Borisite puisque gon paquet pays nous dans même situation ensemble avec yo. Donc pendant ça yo a passé li important nous-mêmes pour nous prendre conscience de état nous et puis pour nous faire révolution mentale la caille nous. Restez connectés, rendez-vous cassé pita 7h, non pas monsieur Foucault. Bisous bisous, one love.